Salut à toutes et à tous, on a le plaisir de vous retrouver ici à Madrid, dans les tribunes du stade Alfredo Di Stéfano. Au micro, c'est le meilleur duo, oui, depuis Xavi et Iniesta, Omar Da Fonseca, Benjamin Da Silva. Maintenant, on n'attend qu'une chose, que cette rencontre débute enfin. Depuis le stade, on sent une grande ambiance, c'est l'ambiance des grands rendez-vous. Quel plaisir de venir assister à cette symphonie. Les deux équipes ont accordé leur violon, leur tambour. Que la fête commence! Et on va regarder la composition de cette formation. Et un œil sur la composition de cette formation. Allons pour Anderson Talisca. La bonne lecture pour stopper cette offensive. Atenea del Castillo. Martin Prieto. La frappe. C'est un ballon pour les gants du gardien. Miquel Merino. Et la récupération du ballon. Et ça joue sur Miquel Merino. Et à la réception, c'est Aubameyang. Athénéa. Peut-être une occasion à venir là-dessus. Attention, la faute, elle est signalée par l'arbitre. Le coup franc est dangereux. Ce coup franc passe très très près, mais c'est pas cadeau. Qu'est-ce qu'il est joli ce coup franc! Hyper bien tiré. Minson sur l'aile, il peut avancer. Interception décisive dans la surface. La transversale pour renverser le jeu. La grosse opportunité, attention. Une nouvelle occasion ici. Oh, et le face à face qui a tourné à son avantage. Qu'est-ce que c'est bien joué. Tu rentres dans la tête de ton adversaire et le tour est joué. Et c'est parfaitement défendu ça. Et peut-être un bon contre à négocier là. Oui, le ballon sur l'aile avec un peu d'espace. Le ballon sort et 6 mètres à suivre. Martin Prieto, le ballon progresse bien sur cette offensive, tir contré sans difficulté,
Aubameyang. Et pourquoi pas une contre-attaque là. Mais non, l'arbitre qui revient à la faute, l'avantage ne profitera pas. Un peu d'excès d'engagement sur cette action, même si l'arbitre se contente de signaler la faute. Et il va falloir se contrôler un peu pour éviter le jaune à la prochaine. Martin Prieto. Et maintenant Athénéa. Ah là là, la faute, c'était une vraie occasion là. On va voir maintenant la sanction de l'arbitre. Et l'arbitre sort le carton jaune pour cette faute, c'est mérité. Très bonne décision. Absolument. Carmona. Aubameyang reçoit le ballon. Oui, le bon geste défensif. Là, il faut bien négocier ce ballon là. Ballon sur le poteau, ça continue. Banini. Et c'est le moment de déclencher. Oh là là, le raté, mais c'est incroyable. Il va falloir patienter encore un peu avant l'ouverture du score. Le but était grand ouvert, hein. Il avait quoi son vouloir. C'est l'habitant ici de cette rencontre, donc au stade Alfredo Di Stefano. Le coup d'envoi est le premier ballon de la rencontre. Et voilà la reprise du match ici à l'Estadio Alfredo Di Stefano. Olé, le bon mouvement. Oh, il y a de l'espace, là, il faut en profiter. Et le ballon vient buter sur le gardien, très bien sorti sur l'action. Très vif sur ses appuis, un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. Attention au pressing là. Voilà une première période assez honnête de sa part. Hein. Rien de formidable et bon, rien de catastrophique. Et à la réception, c'est Aubameyang. Ça continue avec Anderson Talisca. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Patrio Ojeda. Athénéa. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Ah non, c'est contré. L'occasion de prendre l'avantage avec ce corner. Première occasion depuis un moment. Corner, le public y voit même l'occasion de prendre l'avantage. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement.
Un corner qui est bien ajusté. Frappe contrée, mais ce n'est pas fini. Ah, même le public avait une frappe. Oh, la frappe au but. Martin Prieto. Et c'est dedans, le premier but du match. Une domination, une récompense au bout avec cette ouverture du score méritée. Caractère, abnégation, volonté, persévérance, répétition, encore et encore. Et à la fin, la récompense. Quel travail, quel but! Pour le coach, ce n'est pas le moment de perdre son calme. À lui de relancer tout ça. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Et l'arbitre siffle la faute là-dessus. C'est le moment choisi par le coach pour opérer ce changement. Movimiento en el banquillo visitante va a producirse una sustitución. Sale de la cancha. Et voilà la parade avec ce réflexe de la gardienne. Oui, il était difficile cet arrêt. Il a bien anticipé. C'est magnifique ça. Très belle passe, bonne intuition. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Ah, il faut revenir en défense sur ce contre. Ah, c'est le choix de la verticalité sur ce contre, mais ça se termine par un ballon perdu. Aubameyang. Ah, c'est bien parti. Pour relancer ce match, une égalité parfaite maintenant au tableau d'affichage. Ce n'est pas évident quand tu arrives en fin des courses de conserver toute ta lucidité. Il faut arriver à faire la petite pause qui va te donner un peu de clairvoyance dans le dernier geste. Son visage, c'est le visage de l'euphorie, du soulagement, de l'illusion. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Martin Prieto. Ah, la bonne frappe. La frappe sur la barre, c'est pas fini. Est-ce que le menton il a grossi? Est-ce qu'il s'est dilaté? Il est devenu plus gros? C'est pas fini. Vamos! Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Et vu peu de temps qu'il reste à jouer dans ce match, un but maintenant serait définitif. L'occasion de prendre l'avantage. Et quel bon arrêt. Et en plus, très important cette fin de match. Voilà, une intervention qui pourrait bien être décisive à ce moment du match. Voilà, le remplacement intervient. C'est un corner bien joué, bien frappé. Oh, c'est pénalty! Le pénalty en toute fin de match, ça peut tout changer, c'est une balle de match. Et non, pas de carton sur cette action. Et non, pas de carton.
Et pourquoi vouloir toujours sanctionner? Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. Un peu de coaching avec ce changement. Et le pénalty est transformé. Beaucoup de confiance sur cette tentative. Sur cette image, Sopeno qui prend parfaitement à contre-pied et le plongeon qui était parti du mauvais côté. C'est très bien tiré du travail des pros. Ce but est crucial, il est à quelques minutes de leur offrir la victoire, mais cette fin de match peut encore nous réserver des surprises. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Arrêt de jeu et donc l'entraîneur effectue un changement. Merino. Et nous aurons donc le droit à 4 minutes minimum de temps supplémentaire. Et la récupération du ballon. C'est donc terminé, le coup de sifflet final dans cette rencontre et ça se finit donc avec une victoire à la maison. Et oui, un match très serré qui s'est fini par cette victoire. Quelle acuité, quelle victoire! Oh là là, le raté, mais c'est incroyable. Il va falloir patienter encore un peu avant l'ouverture du score. Le but était grand ouvert. Hein. Olé, le bon mouvement. Et le ballon vient buter sur le gardien. Très bien sorti sur l'action. Très vif sur ses appuis, un bon placement et une bonne... Oh, la frappe au but. Et c'est dedans, le premier but du match. Une domination, une récompense au bout avec cette ouverture. Et voilà la parade avec ce réflexe de la gardienne. Oui, il était difficile cet arrêt. Il a bien anticipé. Ah, c'est bien parti. Le but, voilà un but pour relancer ce match. Une égalité parfaite maintenant au tableau d'affichage. Au but. Et c'est dedans, le premier but du match. Une domination, une récompense au bout avec cette ouverture du score méritée.
Ah, c'est bien parti. Et oui, c'est le but. Voilà un but pour relancer ce match. Une égalité parfaite maintenant au tableau d'affichage. Et le penalty est transformé. Beaucoup de confiance sur cette tentative.